Salut. Donc dans le MX2, on a un paramètre de prise de vue maximum. Donc par défaut, c'est un paramètre qui est sur 0, donc qui veut dire que on va faire des prises de vue en illimité. Tant que le chariot ne sera pas arrivé en bout de règle, l'appareil va se déclencher. Mais si on veut faire, par exemple, je sais pas, une trentaine de prises de vue et lui dire que le chariot s'arrête, on a ce paramètre qui est sympa, ce qui s'appelle le max shot. Donc du coup, si je le mets en... On va aller voir ce paramètre. Donc on appuie sur le bouton gauche pour descendre, pour aller dans le menu. Je vais sur le menu caméra. Et ce paramètre est ici, max shot. Donc j'appuie sur le gauche pour rentrer dedans. Donc on voit qu'il est sur 0, donc par défaut. Donc par défaut, ça va donner ça. Je reviens au menu normal. Je mets en route. Voilà, donc à chaque fois, il va se déplacer et déclencher. Donc j'arrête. Donc là, tant que je n'arriverai pas en bout de règle, il va continuer. Je vais changer ce paramètre. Menu. Caméra. Max shot. Et je vais lui dire qu'il me fasse par exemple allez, 3 prises de vue et il va s'arrêter. Donc je change avec le bouton haut et bas, j'oublie pas d'entrer, je retourne à ma page principale. Donc là il a déjà 5 déclenchements, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, 1, 2, bon je recommence, en fait il a zappé le premier. 1, 2 et 3. Voilà, il s'arrête, donc c'est plutôt pas mal si on a besoin de faire, je sais pas, une trentaine de prises de vue sans aller jusqu'à la fin de la règle. Donc, tout simplement, en allant dans le menu, caméra, max shot, et on incrémente avec la flèche plus ou moins. Moi, je vais remettre à 0 par défaut. Voilà, encore un petit truc bien pratique. Allez, salut !